Hey, salut à tous et à toutes, c'est Echo. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas sorti de vidéo parce que j'étais un peu occupé. Donc là, je vais vous présenter mon appartement dont je vais pouvoir emménager. Donc là, pour l'instant, c'est l'appartement sans meublé, enfin non meublé. Donc on va le meubler ce week-end. Donc je vais vous le présenter tout de suite. Donc voici la porte d'entrée. Donc bon, c'est la porte d'entrée, il n'y a rien de plus basique. Mais dès que vous rentrez, voilà ce que vous trouvez. Donc là, il y a les fenêtres et les volets, le chauffage, donc la deuxième fenêtre. Donc j'essaie d'aller lentement aussi. Donc ça, c'est les autres pièces, mais vu d'ensemble, le salon ressemble à ça. Désolé pour mes chaussures, hein, qui font la déco. Non, je trouve ça plutôt sympathique, franchement, pour ce que ça coûte. On va pouvoir enfin avoir notre appartement et ça, c'est bien. Non, franchement, un salon plutôt sympathique, franchement, rien à dire. Il y aura juste à le meubler et ce sera beaucoup plus classe en meublant qu'autre chose. Ce sera beaucoup plus classe. En plus, il y a un miroir, hein, donc bon, je fais ma petite promo. Hein. N'oublie pas de lâcher un like. Mais du coup avec mon iPhone 7, hein, avec le petit flash, comme ça vous voyez mieux. Et ma petite perche. Voilà. C'est tout. Donc ce que je trouve sympa aussi, c'est ça. Je sais pas encore ce qu'on va pouvoir mettre, mais c'est sympa. On va cacher notre nos bombes, je sais pas, on verra. Donc voici la cuisine, hein, donc aussi basique que ça. Hein. Donc là, je pense c'est pour ranger les verres et tout. Les assiettes et tout. Donc c'est encore un peu petit parce qu'on a encore beaucoup de choses. Là, la propriétaire nous avait passé un frigo au cas où il y a des locataires qui n'ont pas de frigo. Mais nous, on en a un plus grand, donc elle va le récupérer, vu combien ça va coûter le frigo. Donc, bon, sur la botte, puis après, on a la plaque électrique pour faire la vaisselle. Ça ne m'avait pas manqué, faire la vaisselle. C'est vraiment pas quelque chose qui me plaît énormément. Puis bah, après, rien de plus basique, hein, c'est bon. On a compris, quoi. Là, ça sera pour la linge. Puis voilà. Donc voilà, maintenant on va un peu. Je vais vous présenter maintenant. Et ben la chambre. Donc la chambre plutôt bien. Oh non, on finira par la. Comment dire? Par la salle de bain. Par les moments intimes. Donc bah, par ça, la chambre est plutôt intéressante. Donc je pense déjà savoir où est-ce que je vais mettre les trucs. Donc c'est ça qui est bien. Donc de vue d'ensemble, elle est plutôt comme ça. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Ce qui est pratique, c'est qu'elle est prise téléphonique assez partout. Donc ça, c'est bon. En plus, on n'a pas non plus une belle vue, mais ça passe. Je n'ai pas voulu ouvrir, hein, sinon je vais devoir la refermer, j'ai pas envie. Donc voilà, maintenant on finit par là. En plus, ce qui est bien, c'est que les portes, vous voyez, elles sont vraiment intéressantes. Si tu peux, c'est un peu, voilà, un peu campagne et tout, et moi j'aime bien. On ouvre. Donc bah, le cumulus, hein, rien de plus basique, hein, puis le miroir pour voir notre sale gueule. Je me recoiffe un peu d'ailleurs. Voilà. Donc les toilettes qu'il faudra qu'on nettoie et voilà, puis après la fameuse douche. Un peu petite, mais après, tant que c'est pour se doucher. Hein. Voilà. Il y a d'autres miroirs, c'est sympa. On a toujours aimé les miroirs dans les salles de bain. Pour se coiffer, pour faire ce qu'on a à faire. Bon, voilà, je vous ai montré là où j'habitais. Donc, normalement, je devais vivre à Draguignan. J'ai décidé de vivre à Flayosque, c'est pas loin de Draguignan, c'est dans le Var pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est plutôt bien. Les gens qui se disputent dehors. Donc voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'en ferai d'autres, j'essaierai d'en faire d'autres, mais j'ai pas trop le temps. Entre le déménagement en plus, enfin l'emménagement et le déménagement, et surtout le travail, donc c'est pas facile. Donc bon,
Je fais ça dès que je peux, mais au moins vous avez vu mon appartement et je vous remonterai quand il sera meublé pour voir la différence entre les deux. Allez, on se dit à la prochaine. C'était Ichou, ciao.